Après de longs moments d'attente, nous sommes enfin au cœur de la 34e édition de la Coupe d'Afrique. Le coup d'envoi a été donné hier, samedi 13 janvier 2024, au stade olympique Alassane Ouattara d'Ebempé. C'est donc parti pour un mois d'ambiance, un mois d'émotions folles à vivre. Et l'Intelligent TV vous aidera en cela. Bienvenue donc à toutes et à tous dans ce nouveau numéro de votre émission, le brunch de la CAN. Deux temps forts vont marquer cette émission, à savoir le riz couché qui nous permettra de débriefer la victoire des poulains de Jean-Luc Gasset. Un riz couché qui connaîtra une bonne dose de piment grâce à la dextérité gastronomique de Charles Dago, vous le verrez. Et après, on se retrouvera autour d'un copieux et succulent galba avec des poissons thon bien charnus, accompagnés de tous les ingrédients auxquels vous vous attendez. Coach Alain Yoncian va passer pour prendre la commande de chacun d'entre nous. Voilà ainsi présenté le sommet de cette émission, le brunch de la CAN. Nos consultants sont déjà avec nous dans ce studio. Zezeto Joseph Venance, bonjour. Bonjour. Merci d'être là. Juste à côté de vous, nous avons Charles Dago. Bonjour. Bonjour, Ibeka. Merci de votre présence. Et puis à ma gauche, nous avons coach Alain Yoncian. Bonjour. Bonjour. Bienvenue à vous également. Merci à tous les trois d'avoir répondu encore une fois de plus à l'invitation de l'Intelligent TV. Messieurs, allons-y à présent retirer le couvercle de la marmite pour qu'on sache la sauce qui va agrémenter le riz couché de ce jour. C'était l'une des choses les plus attendues de la CAN 2023 ici en Côte d'Ivoire. Il s'agit bien évidemment de la cérémonie d'ouverture qui a duré près de 30 minutes. Messieurs, vous avez eu l'occasion de suivre cette cérémonie sur les différentes chaînes de télévision. On va en parler. Zeto, comment vous avez trouvé cette cérémonie d'ouverture? Hier, j'ai regardé la cérémonie. Bon, moi, c'était pas mal, c'était bien fait. J'ai bien aimé l'illustration du pont, tout ça. Donc, je pense que la cérémonie était pas mal. Alors, avant-hier, on parlait sur ce plateau, on avait souhaité, sinon vous avez souhaité de voir à travers cette cérémonie d'ouverture des richesses culturelles de la Côte d'Ivoire. Est-ce que vous avez été bien servi à ce niveau-là? Si, ils ont quand même représenté comment on dit ça, quelques régions. J'en ai vu plein, donc c'est ce qu'on voulait. Peut-être pas toutes les régions, mais l'essentiel a été fait. Mais c'était beau, c'était de belles images. J'ai bien aimé. Ça a commencé tout timidement et après c'est monté en puissance et puis c'était bien fait. Et puis après, j'ai trouvé ça très très magnifique, quoi. Chadago, la même impression, vous avez trouvé aussi cette cérémonie magnifique? Oui, moi je l'ai trouvé extraordinaire même, je dirais. Dans la mesure où il y avait tout ce qu'on avait souhaité, c'est-à-dire la représentation des quatre grandes régions de la Côte d'Ivoire, du développement aussi actuel dans lequel nous sommes, c'est-à-dire le pont en lui-même, avec toutes les autres couleurs. Mais ce que j'ai beaucoup plus admiré, c'est vraiment la prestation de José. C'est vrai que c'est l'une de mes chanteuses préférées, mais je n'ai pas pensé qu'elle pouvait atteindre une telle dimension. Et là, franchement, elle m'a sublimé, elle m'a bluffé. Et ça, j'ai beaucoup aimé. Et puis après, la chanson avec Magic System, ça a mis toutes les couleurs qu'on voulait. On avait souhaité les cultures ivoiriennes, on avait souhaité le nushi, on n'a pas eu malheureusement. Mais on a eu le zouglou, n'est-ce pas? On a eu le zouglou et puis on a eu voilà, José. Donc pour moi, tout était là pour que voilà, la Côte d'Ivoire parle d'elle-même, par ses enfants, et puis bon, c'est tant mieux. Vous avez parlé de José de Magic System. Est-ce qu'il y a des artistes que Charles aurait voulu voir sur scène à l'occasion de cette cérémonie d'ouverture? Non, Ibeka, s'il te plaît, loin de moi l'idée de polémiquer. Ici, je pense que nos responsables ont fait un tri, ont fait une sélection. Ils ont pensé que c'était ceux-là qui pouvaient dignement représenter la Côte d'Ivoire. J'ai vu Dadju et je crois Cake. et qui est venu prester, c'est pas mauvais. La Côte d'Ivoire est une terre d'accueil, d'hospitalité. Dadju étant franco-congolais, on a montré, à mon sens, c'est comme ça que je comprends,
leur prestation comme, effectivement, voilà, recevant des non-ivoiriens venus prester chez nous pour illustrer notre hospitalité. Donc pour moi, voilà, j'ai fait confiance à nos responsables. Ils ont fait des choix, ça a été des bons choix. Heureusement que personne ne s'est raté, personne ne s'est loupé. Ça s'est très bien déroulé. Moi, en tout cas, je félicite les organisateurs. Personne ne s'est raté. Mais coach, il y a certains quand même qui ont trouvé la cérémonie simpliste, qui disent être restés sur leur faim. Ben écoute, moi je pense que c'est le temps, comme je l'ai dit, le temps les gens ont voulu, parce que la cérémonie a commencé à monter en puissance. Et les gens ont commencé à aimer la cérémonie, toutes les couleurs, ça a commencé à vibrer et puis ils ont coupé. Mm-hmm. Donc c'est peut-être cette partie-là que nous ne devons pas apprécier. J'aurais peut-être vers la fin fini peut-être avec Jagger, je pense que ça allait être... Vous auriez voulu voir Jagger sur, sur la scène. Jagger, c'est quand même le vieux de la vieille. Mm-hmm. Donc fini avec Jagger, je pense que tout, comme on le dit, tous les bras morts, tous les gars du quartier, tous les autres, allaient se sentir le souci. Comme on souhaitait le souci, bon. Est-ce que cela voudrait dire que pour coach, les artistes qui sont passés, c'est-à-dire José, Magic, System... Non, c'était les meilleurs. C'était les meilleurs. Ils ont fait leur bon choix. J'ai dit simplement qu'il fallait seulement, comme c'est une icône de la musique ivoirienne, il fallait simplement lui rendre hommage pendant cette cérémonie. Deuxi, Djedje, Rezo, Djedje, Baïs Pinto, tout ce monde. Non, moi mon truc par rapport à ceux qui se sentent, qui ne sont pas trop contents de la prestation, je voudrais vraiment leur demander toute la clémence qu'il faut. Hein. La perfection n'est pas de ce monde-là. Voilà, toute œuvre humaine n'est pas parfaite. Ouais. Voilà. Le plus important, c'est qu'on a impressionné le monde. Parce que ce qu'il faut retenir, ce sont les retours. Voilà, les retours sont très, très, très bons. Les gens vont penser qu'un pays africain pouvait organiser voilà, un truc d'une telle envergure. Moi, je pense que c'est ce qu'on doit retenir. Maintenant, pour dire non, on n'a pas aimé ça... On ne peut pas tout aimer, même tes propres enfants même. Ce n'est pas tout le monde que tu aimes de la même façon. Donc voilà, qu'on se contente de ce qu'on a pu recevoir. C'était voilà. Une belle cérémonie. Si on doit comparer cette cérémonie d'ouverture à celle qui nous a été présentée au Cameroun pendant la CAN 2021. Tu veux polémiquer les beaux-parents, non? Non, je dis... La Côte d'Ivoire est la meilleure. C'était donc, aussi un défi que la Côte d'Ivoire devait relever. À travers cette CAN, parce qu'il fallait faire mieux que cette cérémonie, elle est meilleure. C'est la plus belle CAN qu'on veut offrir. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Cette cérémonie, elle est meilleure, elle est plus récente. Donc voilà, on va s'arrêter là. Voilà. Non, mais chacun fait avec ses moyens, fait ses moyens de bord. Et aujourd'hui, c'est tellement qu'on a copié c'est ce qu'ils ont fait, qu'ils n'ont pas marché chez eux, pour que nous, on fasse mieux chez nous. Voilà, il faut toujours... C'est-à-dire que ceux qui sont les précurseurs des choses, en général, ils sont les plus critiqués. Voilà, parce qu'à partir d'eux, on améliore un peu les choses. Et puis en général, ceux qui critiquent, n'ont jamais rien essayé. Non. Ouais, ils n'ont jamais rien essayé, donc c'est facile pour eux de dire que non, ça n'a pas été bien fait. Mais si c'était eux-mêmes, ils n'allaient même peut-être même pas faire mieux. On a vu pour le Cameroun, on a vu un lion qui est apparu. L'éléphant devait aussi apparaître, n'est-ce pas? Mais je pense que... Pas forcément que l'éléphant devait apparaître. Mais il est apparu dans le ciel, oui, non? Il est dans le ciel. On a vu les Mars. Une fois, il n'a pas été lourd. Voilà, les Mars. Il était dans le ciel. Toutes les régions. Tu as vu tout qui était accroché là autour. Et ça tournait. C'était vraiment magnifique. C'était magnifique. D'accord, c'était magnifique. C'est votre position sur cette cérémonie d'ouverture qui s'est tenue hier au stade Alassane Ouattara de Bimpe. Alors, monsieur, on va progresser dans cette émission pour parler maintenant du piment. Le piment que Charles Dago a choisi de mettre dans le riz couché que nous allons tous déguster ensemble dans quelques instants. Ça sera juste après ceci. Alors, Charles Dago, ton piment, il est de quelle couleur? Est-ce que c'est un piment de couleur jaune, rouge, de couleur verte? Ou est-ce que c'est un piment en pâte, ou un piment en poudre, ou un piment... C'est lequel qui brûle le plus? Bon, moi, je dirais c'est un piment rouge et martiniquais à la limite. Wow. Un piment rouge parce que, franchement, le Cocan n'a pas été bien avec nous, les journalistes, les consultants... avec l'opinion publique nationale, je dirais, nous dire
qu'il n'y a plus de place pour les éléphants. 65 000 places, il n'y a plus de place sur les trois matchs. Ils nous ont fait dire à tous nos amis, même des anciens footballeurs qui devaient venir, là, ceux sur lesquels nous avons joué en Belgique, partout, nous autres, que ah, les gars, nous sommes désolés, mais on ne peut plus vous aider, il n'y a plus de tickets. Il n'y a plus de tickets sur les matchs des éléphants, tout et tout. Et puis, à la dernière minute, comme ça, on se rend compte qu'il y a même plus de 30 000 personnes qui ne sont même pas dans le stade. Où sont passés donc les tickets? Où sont passés tout ce truc? Et le lendemain, à quelques heures du match, on nous fait croire qu'on peut venir encore acheter les tickets. Donc, où étaient ces tickets-là, alors? Ont-ils acheté les tickets? Oui ou non? N'ont-ils pas acheté les tickets? On ne sait pas. Maintenant, quels sont les tickets que vous vendez? Est-ce qu'ils ont gardé les tickets pour devant eux, pour les vendre au marché noir, et que ça n'a pas marché au marché noir? Parce que de plus en plus d'Ivoiriens, en tout cas, l'Ivoirien nouveau refuse ces histoires de marché noir-là. Et j'invite toute la population ivoirienne à s'inscrire résolument dans une telle attitude. Refusons tout ce qui est marché noir, parce qu'on enrichit illicitement des gens. Ce n'est pas normal. On ne peut pas nous faire croire que tous les tickets sont moins de 65 000 places, et puis à la fin, on se rend compte qu'il y a plus de 30 000 personnes qui ne sont pas venues. On nous parle de quoi? 36 000 artistes ou je ne sais pas quoi, autres qui vont venir. Et 6 000 artistes et autres qui vont venir. On ne voit rien. Ce n'est pas sérieux. C'est pas sérieux, c'est une mauvaise. Déjà, même au niveau du Cocanou, au niveau de l'organisation, on a tous fustigé le fait qu'on ne commence pas la mobilisation au niveau national. On a vu la prestation des deux garçons. Ils n'ont pas été soutenus par l'équipe nationale. Il a fallu qu'ils marchent. C'est à chaque coup de but que le public ivoirien réagit. Pourquoi? Parce qu'en amont, aucune mobilisation n'a été faite autour des éléphants de Côte d'Ivoire. J'en ai parlé à certains amis dans certains endroits qui m'ont dit: oh, Dago, arrêtez ça, arrêtez ça. Tout le monde est mobilisé autour des éléphants. On l'a vu hier. On l'a vu hier. Et tous les observateurs ont vu que le public ivoirien était attentif à l'égard de ses propres éléphants. Et ça, c'était une grosse erreur. Après ça, il faut encore ajouter cette histoire de tickets. Franchement, ça n'est, c'est un peu de trop. Il faut vraiment qu'ils réagissent et qu'ils nous donnent une bonne communication. Qu'ils arrêtent de communiquer de la sorte. Qu'ils arrêtent de communiquer de la sorte. On n'a même pas vu nos supporters qui soutiennent les éléphants d'ordinaire, le CNSE. On n'a rien vu. On disait 6 000 places, voilà, c'est de ces deux que je parlais. Ouais. Mais on n'a vu personne. Franchement, c'est un piment martiniquais. Pour ceux qui vivent, ceux qui ont vécu en Europe, ils savent de quel piment il s'agit. Franchement, qui ne répète plus ça? Qui ne répète plus ça? Parce que là, nous sommes en Côte d'Ivoire, au niveau de la mobilisation, au niveau de nos frères qui sont arrivés de partout. Il y a 193 pays dans le monde. Cette CAN est diffusée dans 180 pays. C'est la plus meilleure des CAN en termes d'audiovisuel, de communication. Elle est super médiatisée. Voir les Américains qui jouent pas au football, qui jouent au basket, le baseball, venir diffuser la CAN en direct, mais c'est inimaginable. Et quand on vient nous servir des histoires de tickets, de faux tickets et autres, là, c'est pas... Et puis, s'il faut ajouter à cela la non-nourriture dans le terrain, tout et tout, en plus. Franchement, ça devient un peu trop. En plus. Voilà. Merci Charles Lago pour ce piment martiniquais. Zezeto, vous avez écouté Charles Lago pour son piment à travers ce riz couché. Quel est votre avis sur cette question de tickets? Pourtant, le COCAN, le comité d'organisation de la CAN, disait partout que le match était déjà à guichet fermé. Depuis plus de deux semaines, ils ont dit que le match était déjà à guichet. Je me pose la même question. Où sont passés les autres tickets? Parce que le stade, c'est 60 000 places. Il y en a à peu près 37 000 qui sont partis. Et les autres, mais ils sont... Peut-être aussi que certains ont acheté les tickets, mais ils n'ont pas eu le temps d'arriver au terrain. Non. Est-ce que c'est pas ça aussi? Non, pourquoi? On va pas acheter un ticket. Peut-être que c'est ça aussi. Non. On va pas acheter un ticket. Puis on va rester à la maison. Pourquoi on va acheter alors? On peut avoir des contraintes. Faut pas nous donner ce gars-là. Mange pas un gars-là comme ça. On va pas le verser. Je suis d'accord que quelqu'un a acheté son ticket, il n'a pas eu le temps d'aller au terrain. Mais combien? Mais pas 30 000. Ils sont pas bien. Pas 30 000. Ils ne peuvent même pas être 10 000. Ben, quand même. La preuve en est, les gars, ils achètent un ticket à 4 000, ils veulent le revendre à 15 000. Tout le monde refuse. Et en plus, il n'y a même pas à manger au terrain. Pour 30 000, pour 36 000 personnes, il n'y a pas à manger au terrain. Imaginons s'ils étaient 60 000. Qu'est-ce qu'on allait faire? C'est grave. Il faudrait pas qu'on prenne les Ivoiriens pour des... Je sais pas. Vous mettez la faute sur le COCAN. C'est le COCAN qui a organisé. Qui a organisé avec eux? Voilà. Mais là, s'ils ne peuvent pas organiser, ils n'ont qu'à nous dire, ils ne peuvent pas organiser.
on va trouver. Ah, allez, il y a beaucoup d'Ivoiriens qui peuvent organiser. De la manière dont on organise nos zébiers, on organise nos maracana dans le quartier là. C'est mieux organisé que ce qui. Et c'est ça qui plaît aux Ivoiriens. C'est ça qui plaît aux Ivoiriens. Ils arrêtent un peu là. Voilà, le non-stress. Nous les Ivoiriens, tout ce qu'on organise, il n'y a pas de stress. Pas de stress. On est là, on fait les trucs. On est là, on fait les choses. C'est vrai qu'on improvise des choses, ça marche. Mais une telle improvisation aussi préparée pendant longtemps, ne pas l'avoir marché. Mais regarde, franchement. Regarde la preuve dans les quartiers. Ils ont improvisé. Dans toutes les communes, ça a été improvisé. Et puis on a du monde qui va maintenant pour aller réellement les matchs dans les soi-disant espaces cocanes. Tout ça, pourquoi? Parce que l'Ivoirien ne veut pas, à la limite, cacher son nom. C'est fini, nous refusons ces histoires de tickets noirs. L'Ivoirien nouveau refuse ces trucs, ces histoires de tickets noirs, acheter les trucs au marché noir. J'invite toute la population ivoirienne, les non-ivoiriens qui résident en Côte d'Ivoire, de refuser cette attitude-là. Tous ceux qui vont acheter les tickets à 5 000, à 3 000, qui vont les revendre à 20 000, dénoncez-les. Et le Cocan doit même sortir un numéro vert de dénonciation. Parce que ce pays-là n'est pas un pays d'éléphants blancs. Il faut qu'on arrête ça. Alors, monsieur, il y a aussi un fait qui est vrai, et c'est que c'est la CAF qui organise la CAN, n'est-ce pas, monsieur? Oui, mais en collaboration avec la Côte d'Ivoire, forcément. La Côte d'Ivoire. Forcément, avec nous. La CAN est organisée où, en Côte d'Ivoire? Bien sûr qu'avec la collaboration des Ivoiriens. Mm-hmm. Donc, forcément. Il y a un comité qui est là. Il y a un comité d'organisation qui est là. Moi, j'étais au terrain, j'ai eu l'occasion d'être au terrain. Oui. Mais le constat que j'ai fait, c'est que certains ont dû rentrer à la maison à cause du cordon de sécurité qui était en place. Parce qu'il peut-être que c'est ça aussi qui est à la base de cette faible mobilisation qu'on a constatée. Non, le problème, c'est que. Au terrain. Pour le cordon de sécurité, c'est pas. Moi, je ne crois pas à ça parce qu'il y a eu des matchs avant. Donc, tous ceux qui devaient partir pour le match d'hier savaient à quoi s'attendre. Donc, si tu es arrivé au terrain là-bas, tu ne vas pas te retourner. Non, donc, je ne pense pas que ce soit le problème. C'est ça. Je ne pense pas que ce soit le problème. Parce qu'il y a des matchs qui sont joués avant, on savait comment la sécurité était faite. Et puis le gars, il marche. Donc, voilà. Et puis c'est le match des éléphants. C'est le match des éléphants. Donc, tu ne vas pas arriver au terrain. Il sait à quoi s'en tenir quand il va. Tu ne vas pas arriver au terrain pour dire non, il y a du monde, non, je retourne. Non, je retourne, moi, mon ticket, non, je ne crois pas. Moi, j'ai vu une vidéo, il y avait un public qui était sous la pluie en train d'attendre. Oui. Donc, ce n'est pas celui qui va venir parce que non, ce n'est pas possible. Quand tu voulais parler, Ibeka, tu ne peux pas acheter un ticket, quitter Makori ou bien Pobo ou bien Yopougon, arriver à Ibimpe. Et puis tu vas faire. À un kilomètre, tu dis non. À un kilomètre, tu dis non, je suis fatigué, j'ai fait un demi-tour. C'est que tu ne vas pas vous supporter les éléphants. C'est que tu n'es pas venu vous supporter. C'est possible, les éléphants. Hein. C'est possible. Non, je ne crois pas. Parce que même, attends, on a un comité de supporters, le CNSE. Est-ce que tu les as entendus hier? J'étais au terrain, je les ai entendus à travers le champ. Pom, 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 pom. Pom, 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 pom. Mais si c'est fait là, je reviens dessus. Sur le fait de supporter les éléphants. Moi, je pense que c'est une habitude que les supporters ont. Moi, il n'y a rien qui me surprend. Le balai est-il le même? L'Ivoirien même quand il va au stade, je pense que c'est l'entraîneur lui-même. Parlant du 12e homme, est-ce que vous l'avez senti hier à l'occasion de ce match? On ne peut pas sentir le 12e homme. On ne peut pas sentir le 12e homme. Quand on empêche le 12e homme. On l'a démobilisé depuis longtemps. Mais monsieur, 36 000 personnes pouvaient quand même donner de la foi au stade. On t'interdit de rentrer avec un foulard. Non, moi je ne suis pas d'accord avec vous parce que... Même s'il n'y a pas 60 000 personnes, il y a moins de 36 000, 37 000. Voilà. Les 37 000, coach, Les 37 000 peuvent encourager cette équipe. Mais ça a manqué. Parce que les Ivoiriens, quand ils vont au stade, ils passent leur temps à faire l'entraîneur. Joue ici, fais ça. Moi, j'ai expérimenté ça. Moi, j'étais dans les tribunes, je suis allé au téléphone. On ne supporte pas. Alors que, en Angleterre, l'équipe est menée 5-0, tu as l'impression que l'équipe domine. Okay. Mais ici, le problème, c'est que on attend toujours un but. C'est ça. Avant une belle phase de jeu. Sinon, un dribble, tout le temps, on passe notre temps à dire ouais, lui, il est comme ça, lui, il a fait ça, lui, il n'est pas comme ça, le coach, il faut le changer. C'est pas le rôle du supporter. Le supporter doit être pendant 90 minutes en train de crier. C'est toi, non, on est d'accord. On est entièrement d'accord. Mais c'est ça, supporter une équipe. C'est pas des coups de. Coup d'espoir ou oui, non. Moi, c'est je dis ça, ce supporter une équipe. Moi, je dis ce qui a manqué hier, il n'y avait pas de grelots dans les tribunes. Comme dans le match contre... Même s'il y avait 10 personnes, les 10 personnes peuvent aller. Comme le match qu'on a fait contre... comment on appelle? La Sierra Leone. La Sierra Leone.
Les gens sont rentrés, vous vous aidez à aller les pompes, à aller les tam-tams, tout ça là, ils sont en train de faire des ambiances. Mais hier, tout a été interdit. Oh, mais c'est les chants, c'est pas forcément les vous vous aidez, il y a les chants, il y a les cris. Les gens, mais ils ne savent pas chanter avant. Il y a l'applaudissement, il y a les. En soufflant. En tapant les trucs, je pense que ça. Donc le public est passé hier à côté de. Non, je ne dirais pas à côté, mais moi, je ne suis pas surpris. Non, c'est tout comme. Moi, je ne dirais pas. Mais je dis, on a cette habitude là de ne pas supporter notre équipe. Pendant 90 minutes. On a des coups de comment on dit ça, c'est quand on fait une belle action ou bien quand voilà. On marque un but. On atteint un but, on atteint un but, on crie, après on s'assoit, on regarde, on atteint un autre but ou une action. Voilà. Je pense qu'il faut qu'on change cette attitude-là parce que si on veut encourager notre équipe à aller loin, c'est pendant 90 minutes. Si tu vas en Égypte, si c'était l'Égypte du joueur, je pense que peut-être même que les Guinéens n'allaient pas voir le ballon. Quoi. Ils n'allaient même pas voir, peut-être même, je me demande si ils allaient passer le centre parce que le 12e allait derrière leur équipe. Et c'est ça qui est important. C'est ça qui justement, en parlant d'équipe, les éléphants de Côte d'Ivoire ont affronté hier l'équipe de la Guinée-Bissau en match d'ouverture de cette compétition, cette Coupe d'Afrique des Nations. Score final 2-0. On va parler du match des éléphants de Côte d'Ivoire en lui-même. C'est vrai, il y a eu victoire, mais le jeu a posé beaucoup d'interrogations chez les uns et les autres. Dago, comment vous avez trouvé le jeu en lui-même des éléphants de Côte d'Ivoire malgré cette victoire? Écoutez, peut-être par déformation professionnelle, moi je situe les enjeux et les contestes. Voilà. On dit dans quel contexte? La Coupe d'Afrique à domicile, devant 36 000 personnes, sinon à la limite devant 20 millions ou 30 millions d'Ivoiriens. Donc il y a vraiment un contexte un peu chaud, d'ambiance et tout et tout. Et donc on peut passer à côté de son sujet. C'est l'entame de la compétition. La pression, tout et tout. Donc, ce n'est pas évident qu'on déroule son football. Ce n'est vraiment pas évident. Le plus important, question en jeu, c'est de gagner les 3 points. Et moi, pour un début de compétition d'une telle envergure, pour moi, l'essentiel était de gagner les 3 points. S'assurer de ce que, voilà, on a les 3 points. Après, c'est clair que la Guinée-Bissau n'est pas aussi une équipe qui est nulle. Elle a mérité sa qualification. Donc, elle a donné forcément du fil à l'étoile. Forcément. Elle a nous fait déjouer. Elle a réussi à le faire. Donc, pour moi, l'essentiel pour l'entame de la compétition, c'était la victoire. Question de se remettre un peu en confiance, gagner un capital confiance, et puis aborder le match du Nigeria et le dernier match avec beaucoup plus de sérénité. Ce que vous dites, voilà. Ça dit que la pression populaire a impacté le jeu des éléphants. Ah oui, on a joué au foot, on sait ce que c'est que la pression. Il y a un garçon... Mais ce sont quand même des internationaux qui ont l'habitude de jouer dans les stades. Mais justement, je dis... Oui, mais nous autres, nous avons joué là, une Coupe d'Afrique où nous perdons nos jambes. Il y a un garçon qui est l'ex-capitaine des éléphants de Côte d'Ivoire. Lorsqu'il entend l'hymne national, il coule les larmes. C'est pour vous dire que ce n'est pas tout le monde qui supporte cette pression-là. Et puis, elle n'est pas évacuée de la même façon chez tout le monde. Mais l'essentiel est de pouvoir la supporter, la contenir et puis atteindre l'objectif final. Parce que l'entame de compétition est difficile. Vous allez voir cette entame encore ce soir avec d'autres équipes, vous allez voir. Ça sera difficile. Parce qu'on est dans les calculs, des appréhensions. Comment on doit attaquer? Doit-on attendre? Doit-on... Il y a un coach qui est là, Zéto, il a joué les matchs de haut niveau. À ce niveau, ce n'est pas aussi facile que ça. Donc pour moi, on allait certainement passer à côté d'un certain nombre de choses. C'est vrai qu'il y a des garçons auxquels on ne s'attendait pas à ce qu'ils ratent des choses les plus simples du monde. Mais ils l'ont raté. Vous pensez à qui? Je parle de Doumbia, c'est ça? Oui. Doumbia, super défenseur. Diomane Ousmane, qui est passé à côté de Sengo, sur lequel on comptait pour mettre Serge Aurier dans le dur. Il est passé aussi à côté. Klaasro a souffert avant de venir réussir un exploit qui sort de je ne sais où. Mais tout ça, c'est l'attente de la compétition. Et donc, pour moi, 2-0, c'est bon à prendre, on peut s'en contenter. Et puis après, on va récupérer le tir. C'est tout. Oui, je suis tout à fait d'accord avec le coach. Avec le grand frère Dago. Le grand frère Dago. C'est vrai, avec la pression, ce n'était pas facile. Et puis, dans le jeu en lui-même, il n'y avait pas. Pour moi, la qualité était moyenne. Mais c'est tout. Est-ce qu'il n'y avait pas un moyen de gérer cette pression-là pour produire un beau football, pour enthousiasmer le public qui était là, qui voulait voir des éléphants très brillants sur le terrain? Est-ce qu'il n'y avait pas un moyen de contourner ça? Si, forcément, il y a des moyens, mais ça reste un premier match avec beaucoup de pression, un match difficile. Je pense que pour faire passer cette pression-là, c'était déjà de prendre les 3 points. Et puis, je pense qu'au deuxième match, au troisième match, ça sera plus relax. Mais là, c'était difficile parce qu'il y avait la pression. Il y a beaucoup, c'était le premier canne. Et puis, il y a des joueurs que j'ai trouvés en dessous. Même Sekou,
que je trouve meilleur d'habitude. Là, après son but. Pourtant, il a été l'homme du match. Hein. Oui, il a été l'homme du match parce qu'il a marqué un super but. Moi, je conteste ça. Voilà, il a marqué un super but peut-être, mais je veux dire, dans l'ensemble, il était en dessous comme tous les autres. Mm-hmm. Il était en dessous parce que moi, je sais qu'il a toujours montré que voilà, il était au-dessus des autres quand même. Mais là, j'ai vu que c'était pas facile. C'était sa première CAN, je pense aussi. Ouais. Donc, il y avait cette pression aussi avec le public et tout. Donc, je pense qu'au deuxième match, ça va changer. Et j'espère que ça va changer aussi dans le jeu. Parce qu'ils ne nous ont pas produit un super jeu. Parce que l'équipe en face, c'est vrai, elle méritait de se qualifier. Mais sur ce match-là, moi, je n'ai pas trouvé cette équipe dangereuse à aucun moment. Je me dis, si elle avait de bons attaquants, je pense qu'on allait prendre au moins un ou deux buts quand même. C'est ça. Au moins un ou deux buts quand même. Mais donc là, disons Dieu merci. On est tombé sur une équipe de la Guinée qui n'était pas dans son jeu aussi. Mais tout compte fait dans l'ensemble, la Côte d'Ivoire était largement au-dessus. Si on avait joué un peu plus à notre niveau, je pense que cette équipe allait prendre 4-5 buts. Alors coach, est-ce qu'avec le jeu des éléphants qu'on a vu sur le terrain au stade Alassane Ouattara de Bimpe, est-ce que vous pensez que c'est une équipe qui est capable d'aller chercher ce trophée-là? Parce que c'est quand même une victoire finale qu'on vise en Côte d'Ivoire. Mais moi, je dis ici, la dernière fois, j'ai dit qu'il fallait faire très attention parce que l'enjeu... Tue le jeu. Allait tuer le jeu. J'ai dit ça ici la dernière fois. Et hier et la même fois, j'ai dit qu'il ne fallait pas d'entrée de jeu lancer deux jeunes dans l'axe central. Vous avez vu ce que ça a failli nous coûter? La Guinée-Bissau aussi avait un attaquant tueur. Après le but de Seko, si vous avez bien suivi, 10 minutes après, ils pourraient égaliser. Parce qu'ils avaient des latéraux qui étaient à tout moment, ils faisaient le flux et le reflux. Si vous avez bien suivi le match, ils avaient des latéraux qui faisaient des montées, qui allaient créer des brèches devant, créer des difficultés, mais souvent ils rentraient dans le milieu de terrain pour jouer. Mais ce qui nous a manqué, comme Dago l'a dit, vous savez, jouer devant son public, une CAN, un match d'ouverture, et puis devant qui? Le président de la République. Mais il y a des gens qui ne pensaient pas le faire un jour. Il y a des gens qui ne pensaient pas le faire. Senghor, il est passé à côté de son match. Le petit Diomandé, ça a été timide. Même le grand Seko Fofana, il a fallu un monsieur comme caissier au milieu de terrain pour galvaniser ces deux autres gars, pour qu'on ne sente pas que notre milieu de terrain a commencé à être étouffé. D'accord, c'est bien noté. Alors, Dago, on a écouté coach. Coach estime qu'il ne fallait pas aligner tout de suite Diomandé dans l'axe. Il a trouvé aussi que Senghor n'a pas été à la hauteur. La question que je voulais poser à travers cette observation, est-ce que la défense ivoirienne rassure? Au football, quand tu n'encaisses pas de but, quand il a gardé le but, il n'a pas encaissé, la défense n'a pas encaissé. On dit la défense a rassuré. Parce que, voilà, c'est aussi simple que ça. Mais alors pourquoi ces inquiétudes relativement à cette défense-là? Je suis convaincu que le coach Nyonsoy en parle parce que c'est dans les touchés des balles, dans les contrôles. Senghor, il contrôle le ballon lui seul, et le ballon sort. Là, on est en Coupe d'Afrique. C'est trop limite pour un joueur qui joue à Monaco. Il est passé à côté de son match. Non, c'est trop limite pour un joueur d'une telle envergure qu'on suppose dans le 6e meilleur championnat européen. Ouais. C'est compliqué. Quand on voit Ousmane qui joue à Porto. À Porto qui joue la Ligue des Champions. Qui n'arrive même pas à contrôler un ballon. On peut dire que bon, il est passé à côté de son match. Ça, ce sont quelques loupés. Mais dans l'ensemble, je pense qu'ils ont su contenir quand même ces défenseurs, ces attaquants-là. Même s'ils n'ont pas été bons. Hein, même s'ils n'ont pas été bons, ils n'ont pas peut-être le niveau des attaquants ivoiriens ou bien pas le niveau des attaquants nigériens, Osimhen et autres, mais ils ont pu quand même les contenir. Donc, dans le sens où, pour moi, ils n'encaissent pas de but. Le gardien de but, bon, hier, il n'a pas eu grand-chose à faire. Non. Bon, ils ont rassuré. Mais en même temps, très vite, le coach, il a tout de suite senti ça. Mm-hmm. Il a opéré les changements qu'il fallait. Et parlant du coach Gassier, voilà. À la conférence de presse, il a dit ceci. L'essentiel était de gagner ce match. On arrive à mal gérer les temps faibles. Quand on a le ballon, on est dispersé. C'est l'observation qui a été faite par le coach Gassier. Il estime que lorsque les éléphants n'ont pas le ballon, ils sont dispersés sur le terrain. Ils ont du mal à gérer cette phase de jeu. Là, c'est tout. Il dit ce qu'il a constaté aussi, comme tout le monde. Donc, c'est à lui de trouver la solution, de travailler là-dessus.
Moi, où j'ai un problème avec cette équipe-là, c'est dans la récupération. Quand elle récupère le ballon, elle ne se projette pas vite. Les milieux, ça ne se projette pas, ça joue à... Excusez-moi du thème, mais ça joue à deux à l'heure. Les milieux étaient aux abois hier. Non, ils sont tous les 4-5. Qu'est-ce que j'ai dit ici? Mais ce qu'il dit, c'est dans la projection. C'est dans la projection du ballon. Dans la phase offensive. Dans la phase offensive, on ne sent pas l'équipe. Voilà, il n'y a pas de... Il n'y a pas de rythme de jeu et ça fait que c'est normal qu'après c'est difficile pour le milieu. Il y avait que Seko qui avait l'habitude de le faire. Hier, il a essayé de le faire de temps en temps. Il a fait une seule fois, ouais, il a marqué le but. Il a marqué le but. Une deuxième fois, il a fait, je crois, parce ça. Parce que dans une défense naïve. À chaque fois qu'on récupère le ballon, ça part à deux à l'heure. Il n'y a pas de rythme. Ça fait que les attaquants, l'attaquant qui joue devant, ben, il ne recevra pas de ballon. Vous avez vu les deux buts? Bah, oui. C'est des actions individuelles. Mmh. Oui. L'autre, il se débat, il récupère, il frappe. Seko, on lui met un ballon un peu difficile, il se débrouille, il ressort, il frappe. Mais après, est-ce que vous avez vu une occasion construite? Non. Non. Moi, je n'ai pas vu. Non. Moi, j'ai et pas donc, vu. Si le coach il se permet de nous dire et que à la perte du ballon, les joueurs sont dispersés, il y a problème. Il y a problème. Il y a problème. Il doit travailler là-dessus. Ah non, il y a problème. Parce que quand nous disions hier, quand il dit hier, ça dit qu'au cours des derniers matchs, que le fait qu'il n'ait pas d'équipe type, depuis plus d'une dizaine de matchs, pour que les jeunes gens jouent ensemble, pour se connaître, pour savoir, les yeux fermés, se retrouver, il a constaté lui-même hier que lorsqu'ils n'ont pas le ballon, chacun court dans tous les sens. Ça veut dire qu'il a du boulot à faire ou alors il n'a rien fait jusque-là. Ah, il a les deux jours là pour le type de ce tir-là. Parce que les équipes les mieux organisées contre l'Égypte, le Maroc, l'Algérie, les autres sont des équipes sont tactiquement très bien organisées. Alors s'il faut se disperser comme ça deux fois, trois fois, ça sera vraiment difficile pour nous. Alors vous qui êtes coach, comment on peut résoudre un tel problème, ce problème qui indique que les éléphants sont dispersés sur le terrain lorsqu'ils n'ont pas le ballon? Comment on doit résoudre ce problème-là? Non, mais c'est un problème de remplacement simple. L'entraîneur doit insister sur le déplacement des joueurs quand on a le ballon, quand on n'a pas le ballon. Mm-hmm. Quand le ballon est dans telle zone, quels sont les joueurs concernés dans la zone? Et les autres, quel est leur apport qu'ils apportent pour pouvoir récupérer le ballon et déplacer le jeu? C'est simple. Mm-hmm. Maintenant, il faut le répéter, comme on le dit, répéter, parce que la répétition, elle est pédagogique. Tu as beau jouer avec quelqu'un, tu ne lui dis pas à la paix de la balle, voilà ce que tu vas faire. Quand il perd le ballon, c'est un scénariste, il regarde. Mais tant que, quel que soit le niveau, quel que soit le talent du joueur, il faut rappeler à ce joueur qu'il a un rôle défensif à faire. Quand il n'a pas le ballon, il a quelque chose à faire. Quand il a le ballon, il a quelque chose à faire. Il faut le répéter. Donc, on peut croire en une montée en puissance des éléphants pour les matchs à venir. Obligatoirement, on a obligation de monter en puissance. Là, on a obligation de monter en puissance parce qu'ils ont fini le match hier, ils vont revoir le match aujourd'hui, ils vont faire des critiques, faire des séances vidéo, ils vont voir les séquences où ça n'a pas marché, ils vont travailler là-dessus. À la perte de la balle, comme lui-même l'a dit, il va faire la séance vidéo, montrer au gars que voilà, on a perdu le ballon, regardez, est-ce que toi, c'est là que tu devais être, où tu devais être, poser des questions, avoir ses réponses pour que chacun se soit concerné et peut... Notre équipe va monter en puissance. Alors, messieurs, ce match s'est joué sur une pelouse qui suscitait beaucoup d'inquiétudes avant ce coup d'envoi. Hier, on a vu la pelouse. Je vous vois en train de sourire. Vous êtes en train de rire. Comment vous avez trouvé cette pelouse, la pelouse du stade Alassane Ouattara de Bempe qui n'a pas échappé encore une fois de plus à des critiques hier? C'est tout. Pour moi, je pense qu'elle a tenu. Vu ce qu'on a pu voir auparavant. Il y a eu une avancée? Ouais, là, elle a pu tenir. Je pense qu'ils se sont fait plaisir sur le terrain. Attendez le match de ce soir. Voilà, donc après, il faut voir comment la pluie sera après 2-3 matchs. Voilà. En ce moment-là, on pourra critiquer, mais pour l'instant, je pense qu'elle tient la route. Et je pense qu'hier, il n'y avait pas de problème sur le terrain, au niveau de la pelouse, je pense. Charles Dago, la pelouse pour vous, ça tient? Ça rassure, parce que certains quand même ont pu observer que la pelouse était détachée par endroit au terrain. Avec les tacles, avec les joueurs, les crampons, c'est ça aussi. Il faut vérifier la qualité d'une pelouse. Même en Angleterre, tu fais un tacle, la pelouse sort. Même sur tous les grands stades européens,
c'est un tacle bien appuyé. Voilà, le gazon va suivre forcément ça. C'est après, faut... après, vous les voyez à la mi-temps, vous voyez les stewards à la mi-temps voilà, venir recoller les morceaux. Je pense que c'est ce travail qu'ils seront en train de faire, peut-être même aujourd'hui ou demain. Voilà. Non, mais moi, s'il doit avoir une crainte, c'est beaucoup plus pour la pluie et cette agressivité-là. Voilà. C'est-à-dire que si elle est beaucoup plus mouillée et qu'on est aussi agressif que ça, c'est fort possible que bon, les balles soient beaucoup plus lourds, beaucoup plus. Mais les joueurs seront toujours agressifs hein, parce que le challenge est énorme. Malheureusement, c'est ça le football africain. Le football africain est fait d'agressivité et d'engagement total. Et donc, c'est clair que la pelouse aussi va prendre un coup. Ça, c'est clair. Maintenant, la pelouse a été bonne hier. Est-ce qu'elle va tenir pour le match de ce soir? Pour le match de ce soir. Et le match à venir. Voilà, donc c'est grande la question. D'accord, messieurs, nous allons dans quelques instants nous intéresser au gratin de ce riz couché. Le temps de rappeler à toutes celles et tous ceux qui nous suivent actuellement que vous êtes sur les antennes de l'Intelligent TV. Vous suivez le brunch de la CAN, une émission quotidienne à laquelle vous avez droit tous les jours jusqu'au 11 février 2024 à partir de 10h52 pour décortiquer les matchs de la veille et se projeter sur les matchs à venir. Ce soir, on aura 3 matchs. On va en parler dans quelques instants, mais permettez-nous de prendre ce gratin, de ce riz couché que nous attendons impatiemment. Et là, ça va s'intéresser aux 11 de départ qui a été aligné par Jean-Luc Gasset hier face à la Guinée-Bissau. Dans quelques instants, on en parle. La Côte d'Ivoire a battu la Guinée-Bissau hier, je l'ai dit, 2-0, mais un fait a marqué les esprits, c'est que Jean-Luc Gasset a aligné le même 11 qu'il a aligné contre la Sierra Leone. Alors on se pose cette question, coach, est-ce que Gasset a enfin trouvé son commando? Non, je ne pense pas. La preuve, après la première mi-temps, automatiquement, il a fait des changements. Je pense que, à la limite, comme Zizeto l'a dit la dernière fois, cette équipe, Gasset n'a pas 11 commandos, mais je pense qu'il a 15 commandos. Cette équipe tourne autour de 15 joueurs. Vraiment, mais il avait voulu continuer la même équipe qui nous a fait sensation contre la Sierra Leone. C'est ce qu'on a demandé. C'est vrai qu'il a reconduit le même 11, mais dans les prestations des uns et des autres, il a manqué quelque chose qu'il recherchait. Mais ce même 11 a quand même marqué un but à la mi-temps. Ce même 11 a mené un but à 0. Ouais, mais ce même 11 aussi a fait des frayeurs. A quand même effrayé les Ivoiriens et surtout le président de la République, donc Aibimpe. Donc il fallait pas encaisser pour que le peuple nous tombe là-dessus hier. Donc Dieu merci, il a rectifié le tir. Après, en deuxième mi-temps, moi je pense qu'en deuxième mi-temps, c'était plus meilleur qu'en première mi-temps. Par rapport au déplacement des uns et des autres, par rapport à l'animation. Et la pression a baissé d'un cran parce que la première mi-temps, il y avait tellement de pression. Même quand on a vite marqué, mais on ne se retrouvait pas. C'était difficile, les déplacements, difficile d'enchaîner 2-3 passes. Mais après, à la mi-temps, je pense qu'ils ont essayé de recadrer tout le monde. Ils ont essayé de parler un peu aux jeunes, de les remonter un peu moralement. Et puis bon, on a fait une deuxième. Alors Zido, est-ce que le fait, comme l'a dit coach, le fait que l'entraîneur ait fait des changements à la mi-temps, cela voudrait signifier que son 11 n'est pas encore clair, son commando n'est pas encore défini? Déjà, dans une équipe ou dans une sélection, on n'a pas 11 commandos. On se trompe. On a au moins 15-16. Mais surtout, on a une base. C'est-à-dire, on a 5, 6, 7 joueurs. On sait avec eux, on peut partir. Après les autres, le fait qu'ils aient interchangé, c'est tout. Voilà. Parce que ça va dépendre de la forme de l'eau, ça va dépendre du truc, des blessés. Mais à la base, on a toujours 5-6 qui sont titulaires, qui sont les joueurs du coach, et puis le reste, ils viennent entourer. Donc moi, je pense qu'il a au moins 15 joueurs comme ça. Voilà. Donc, hier, on savait déjà quelle équipe il allait aligner. De toute façon, on l'avait dit ici déjà. Ouais, on l'avait demandé. Même. On l'avait dit ici à un ou deux près, comme j'ai dit la dernière fois, peut-être Sejoré qui allait commencer. Et puis, j'avais dit qui encore? Willy Boly. Willy Boly à la place. Bon, finalement, il n'a pas fait ses changements. Mais après, à la mi-temps, qu'est-ce qu'il a fait? Il a changé Senghor. Mais je pense qu'il va tourner autour de ces joueurs-là. Mais il n'a pas un 11 titulaire, on va dire, qui va finir la CAN. Non, il a 15 joueurs
avec qui il va tourner. Peut-être que les défenseurs, il va les changer moins. Mais au milieu, bon, il a ses trois milieux déjà. Ouais. S'ils sont toujours... Bon, s'ils continuent à jouer comme ça, ça va être difficile qu'ils les gardent. Ouais. Mais s'ils montent en puissance, je pense que c'est Seko, Kessié, Sangaré. Et puis après, en attaque, bon, en attaque, ça, on peut toujours changer, mettre. Et puis bon, si Allaire revient, je pense qu'on avait besoin d'Allaire aussi hier parce que on avait besoin de quelqu'un devant le but. Parce que Crasso, bon joueur, mais qui bouge trop. Qui bougeait trop, qui ne restait pas dans l'as. Bon, il n'a pas pu avoir de ballon aussi. D'accord. Donc c'était un peu plus difficile pour lui. Alors Charles, est-ce que vous les rejoignez? Est-ce que vous pensez aussi comme eux que Gasset n'a pas forcément besoin d'un 11, d'un commando? Écoutez, je pense qu'il a fait avec tous les joueurs qui étaient à sa disposition. Hein. Et puis on est convaincus tous ici que son avant-centre titulaire, c'était Allaire qui est blessé. Donc, et puis il comptait. Je suis convaincu que si Wilfried Zaha, ça aussi il faut le souligner. Après, pour certaines circonstances, Zaha est sorti, Allaire est blessé, Adengra est blessé, ils vont certainement rejoindre le groupe. Donc il a misé pour moi sur un groupe et non sur un 11. Parce qu'on ne gagne pas un championnat comme la Coupe d'Afrique avec 11 joueurs. On va forcément gagner ce championnat avec 15, 16, 17 joueurs. Donc voilà, c'est bon. Maintenant, après, c'est dans le contenu qu'on va toujours, voilà, on va toujours critiquer. Nous autres là, pas parce que nous n'aimons pas sa façon de travailler, mais c'est une façon inhabituelle de travail qu'il nous a présenté. Jouer 12 à 15 matchs sans un groupe, enfin sans une équipe titulaire, 3 à 4 matchs, afin que les gens se retrouvent, les yeux fermés. Franchement, toutes les équipes du monde, hein, même aujourd'hui, si on te parle de l'équipe de France, tu sais plus ou moins qui sont qui vont jouer. Avec lui, on ne savait pas qui sont qui vont jouer. En dehors du trio médian. Aussi que c'est sa en dehors du trio médian. Ce qui fait que ce trio-là aujourd'hui est connu par toute l'Afrique. Ouais, hier, en deuxième mi-temps, le trio a été bouffé en deuxième mi-temps. Notre trio sur lequel nous comptons a été bouffé en deuxième mi-temps. La preuve, c'est que Fofana ou Ben Franck Kessié finit de frapper le ballon. Quand la bisif l'a fait, ils sont couchés sur le terrain. Pour des grands professionnels qui ont joué des matchs de haut niveau, de Ligue des Champions, épuisés de la sorte. Alors que le championnat ne fait que commencer. Pour gagner le trophée, il y a 7 matchs à jouer. Ils n'ont livré que le premier. Et puis ils sont déjà cuits. C'est dire qu'à un moment donné, il faut que l'encadrement technique se remette en question. Mm-hmm. Parce que nous, on a peur, on se dit, sans ces trois-là, qui sont ceux qui vont jouer? Tellement il a mis le doute même dans l'esprit de Serge Jean-Michel. Il a manqué la fraîcheur au milieu. Voilà. Donc, on est là, on le regarde, et on ne peut pas faire autrement. On espère que son commando-là va nous pousser jusqu'à ce qu'on gagne cette guerre. D'accord, coach. Le prochain match des éléphants de Côte d'Ivoire, c'est contre le Nigeria. Quel éléphant de Côte d'Ivoire face au Nigeria? Quand on sait que le jeu produit par les éléphants de Côte d'Ivoire n'a pas satisfait beaucoup de personnes. Mais il faut d'abord, dans un premier temps, regarder le match de Nigeria ce soir. Voir ce que le Nigeria va nous produire face à la Guinée équatoriale. Et je pense qu'après ce match-là, on aura une idée claire de l'adversaire qui est le Nigeria contre la Côte d'Ivoire. Et là, je suis sûr que nos jeunes là, ils vont se surpasser. Ils vont essayer de monter d'un cran, même si on ne leur demande pas. Parce que si je prends un exemple, si le Nigeria bouffe aujourd'hui la Guinée équatoriale 4 à 0, ben, il faut te dire que la première place va se jouer contre le Nigeria. Donc il va falloir faire très très attention et il va falloir que les joueurs soient à 1000% prêts parce que le Nigeria, ce n'est pas la Guinée-Bissau. Alors Zeto, est-ce que vous pensez que la Côte d'Ivoire pourra répondre présente face au Nigeria pour le deuxième match, un match qui s'annonce très capital? Bien sûr, bien sûr, parce que c'est le Nigeria, c'est la Côte d'Ivoire, donc ça sera un match de haut niveau, ça c'est normal. Tous les matchs ne se ressemblent pas. Ce n'est pas parce que, on va dire, bon, ils sont passés à côté du premier match qu'ils vont continuer dans ce. Non, je pense qu'ils vont se réveiller. Ils savent que c'est le Nigeria. S'ils ne font pas attention, ils vont prendre 4 buts. Donc, normalement, ils vont monter le niveau de jeu. Et puis, je pense que ça serait un bon match pour moi. Je pense ça serait un très bon match. Parce que le Nigeria aussi se méfie de nous. Ouais. Parce que c'est la Côte d'Ivoire. Donc, ça serait un très bon match. Je pense que c'est mentalement, ça va se jouer sur le terrain. Voilà. D'accord. Dago, j'ai envie aussi de vous écouter sur cette question, même si on me fait savoir que le garba est déjà prêt, le poisson de thon est déjà cuit avec tous les piments. Ils n'ont pas oublié le cube, j'espère. Ils n'ont pas oublié. Le cube d'assaisonnement est là, non, bien placé. Je ne peux pas donner moins
Et puis il va manger plus que tout le monde. Non, tout le monde sera bien servi. Tout D'accord. le monde aura son garba avec le poisson, la forme qu'il faut pour être bien à l'aise. Parce qu'il est, il est déjà 11h. Je crois que c'est une période bien indiquée pour consommer le garba. Mais avant de consommer le garba, je ne sais pas si ça sera un piment martiniquais. Je ne sais pas d'abord. On nous le dira. Mais on veut vous entendre d'abord sur cette question. Est-ce que la Côte d'Ivoire pourra répondre présente face au Nigeria? Oui, non, c'est clair. On est tenu de répondre présent. On a un statut quand même à défendre. Ah, c'est clair, on est deux fois champion d'Afrique. Même si ils l'ont remporté quatre fois, on a des joueurs de grande envergure, on a des joueurs qui sont en forme, on est chez nous. Voilà, donc on est tout. Même si pour moi, le Nigeria a le meilleur des contingents. Le meilleur des contingents sur le continent. Mm-hmm. Voilà, avec des grands joueurs qui évoluent dans des grands clubs. C'est cette équipe-là qui aligne des joueurs qui sont beaucoup plus en Ligue des champions. Quand on a Chukwueze, du côté de Milan AC, c'est pas n'importe quelle équipe. D'accord. Bon, c'est vrai qu'il y a trois ou quatre joueurs de renom qui manquent à l'appel, Ndidi, Boniface, Sadik, Gouma, mais il n'en est même pas moins que le Nigeria a quand même un super contingent et donc il faudra faire attention. Justement, on va parler du Nigeria dans la partie Garba de cette émission parce que le Nigeria joue ce soir même face à la Guinée équatoriale pour le compte de la poule A. Mais on va se retirer un peu, aller laver les mains pour pouvoir manger le garba, même si on voit sur ce polo une cuillère avec une fourchette à côté, mais le garba ici en Côte d'Ivoire ne se mange pas avec ça. Non, si on mange ça avec ces instruments-là, on ne voit pas le goût. Donc on va les laver les mains proprement avec du savon bien chic et puis on revient sur ce plateau pour consommer le garba avec la saveur qu'il faut. À tout de suite. Retour sur les antennes de l'Intelligent TV. Nous sommes dimanche 14 janvier 2024. C'est vrai, c'est le jour de repos. Certains sont couchés, certains sont à l'église, certains même sont au grain. Mais nous, nous sommes ici sur ce plateau pour entretenir les Ivoiriens, pour leur parler de football, de la CAN, des matchs qui se sont déjà joués et qui vont se jouer très bientôt. Et parlant de ces matchs-là, nous avons une rubrique dans le garba qu'on appelle « La passe ». Et la passe sera faite ce jour par le coach Alain. Il va faire sans doute une belle passe pour Dago et Zeto. Je suis quand même aussi là. Si on me fait la passe, je vais la prendre avec beaucoup de plaisir. Coach, à tout de suite avec vous pour la passe de ce garba. Retour sur ce plateau. Coach Alain, vous avez la parole pour votre passe. Écoutez, ce soir, nous allons assister à trois grandes rencontres. Nigeria, Guinée équatoriale, Égypte, Mozambique et Ghana, Cap-Vert. Dago Chal, en tant qu'ancien international, et Zeto, quel sera le match le plus élevé parmi ces trois-là? Nigeria, Guinée équatoriale, Égypte, Mozambique, c'est ça? Et puis Ghana, Cap-Vert. Ghana, Cap-Vert. Oh, moi, je pense que le match, c'est celui-là. Moi, je pense que Ghana, Cap-Vert. Moi, je pense plutôt Nigeria, Équatorial. Guinée équatoriale. Moi, je pense Guinée plus équatoriale. Au Ibeka. Ghana. Ben, coach, Ghana, je vous laisse la latitude de répondre à cette question. Ben, écoutez, moi, je pense que le match Nigeria-Guinée équatoriale ce soir va se jouer d'un niveau très élevé. Pourquoi? Parce que, dans un premier temps, ils ont regardé la Côte d'Ivoire jouer. Ils ont vu que la Côte d'Ivoire a gagné 2-0. Donc le Nigeria sera obligé d'élever son niveau de jeu pour pouvoir gagner la Guinée équatoriale. La Guinée équatoriale aussi ne sera pas ridicule parce qu'elle aussi, elle va vouloir faire un résultat. Donc elle aussi sera obligée d'élever son niveau de jeu pour ne serait-ce qu'aller titiller le Nigeria, pourquoi pas chercher un match nul. Ça sera la spéciale de cet après-midi. Après, on aura Égypte-Mozambique. Le match que tous les Ivoiriens attendent, Égypte-Mozambique. Et puis Ghana-Cap-Vert. Ce sera les deux meilleurs matchs du Stade Félix Houphouët-Boigny pour moi cet après-midi parce que l'Égypte ne va pas chercher à rater son entrée en Coupe d'Afrique et le Ghana aussi va vouloir relever le défi. Pour moi, ce soir, j'invite tous les Ivoiriens, j'invite tout le monde à aller voir ces matchs-là parce que ça sera du régal. Alors coach, vous faites la passe à qui en première position pour que la personne puisse vous répondre? Dago Chal. Mais je pense qu'on avait déjà répondu. Hein. Ouais. Pour moi, honnêtement... C'est le match du Nigeria, Guinée équatoriale. La Guinée équatoriale est dans une superbe forme actuellement. Ça, il faut le reconnaître.
qualification Coupe d'Afrique, Coupe du Monde, ils ont pratiquement gagné tous leurs matchs. Mm-hmm. Ils ont fini quoi, quart finaliste, huitième finale, je crois. La dernière au Cameroun. Ils ont fait une demi-finale aussi en 2015. C'est une équipe qui monte en puissance. Et donc moi, je pense qu'elle peut freiner cette équipe du Nigeria, même si elle a une grande constellation de stars. Mais l'équipe est beaucoup plus déséquilibrée, cette équipe du Nigeria, parce qu'elle n'a que son attaque aujourd'hui qui crache du feu. Mais le milieu de terrain et la défense sont plus ou moins décimés. Et donc pour moi, ce sera le match parce qu'ils vont certainement jouer maintenant à valeur égale. Ce sera le meilleur des matchs. Sinon, que ce soit l'Égypte et le Ghana, je pense qu'ils vont, marcher sur les différents adversaires plus facilement que le Nigeria ou la Guinée équatoriale. Ou je pense que la Guinée équatoriale, pour moi, est favorite par rapport au Nigeria. Ok. Ghana Cap vs Zeto. Si tu es sélectionneur du Ghana, tu dois jouer contre le Cap Vert. Quel sera ton système de jeu que tu vas utiliser? Ah bon, moi, j'aime bien j'utilise toujours le système 4-4-3 parce que ça me permet de jouer avec des ailiers. Parce que moi, j'aime bien mettre un attaquant dans l'axe et puis les ailiers, des bons dribbleurs, des centres. En 4-3-3, moi, je me régale comme ça avec mes joueurs. Donc, je pense que Ghana, ils vont jouer en 4-4-3 parce qu'ils ont de bons joueurs sur le côté. Et puis, ils ont un bon attaquant qui est Iñaki Williams, qui est très performant à l'Atlético Bilbao. Donc, je pense que c'est un 4-4-3 qu'ils vont faire. Mais j'aime bien l'équipe aussi de Cap Vert parce que je les ai déjà vus plusieurs fois dans des matchs de compétition, puis à la CAN aussi. C'est une très bonne équipe, très technique, vif. Et je pense que quand tu as une équipe comme ça, technique, vif, ça peut faire du mal. Puis c'est une bonne équipe qui joue au football aussi. Donc, et puis le Ghana n'est pas en très, 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 très grande forme. Je pense que pour moi, ça sera le meilleur match du soir. Parce qu'il y aura beaucoup, beaucoup d'actions et peut-être beaucoup de buts aussi. C'est un match qui ne sera pas fermé en tout cas. D'accord. Ibeka. Oui, coach. Égypte, Mozambique. L'Égypte a des joueurs un peu vieillissants, comme on le dit. La Mozambique est en train de monter en puissance. Pour toi, tu es entraîneur sélectionneur de la Mozambique, comment tu peux contrer l'Égypte? Ben, c'est d'aligner les joueurs qu'il faut, tout simplement, pour contrer cette équipe égyptienne qui, comme vous l'avez signifié, qui monte en puissance, qui est quand même celle qui a remporté la Coupe d'Afrique des Nations à cette reprise et qui a en son sein des gros stars, en l'occurrence Mohamed Salah. Donc il faut mettre les joueurs en face qu'il faut, mais je penserais bien que ça sera très difficile pour cette équipe de Mozambique de pouvoir contrer l'équipe d'Égypte. On verra bien, c'est pour ce soir. Demain, on va se retrouver ici sans doute pour en parler et puis voir qui a fait le bon pronostic. Alors, messieurs, nous sommes à la fin de cette émission. Mais avant, je voudrais communiquer ces réactions qui nous sont parvenues dans ce direct qui est beaucoup suivi. On a Joie de Vivre, bon, c'est le nom qui est marqué. Elle dit, les gens ont acheté les tickets pour revendre. C'est pas bien. On parlait justement du piment de Charles Dago. Vraiment, c'est un piment qui a beaucoup brûlé parce que les réactions sont plus nombreuses sur ce sujet-là. On a Bamba Moussa qui dit on avait faim hier au terrain. Imaginez à quelle heure on est arrivé au terrain. Et puis, il y a un autre internaute qui dit les gens avaient faim. Comment voulez-vous qu'il chante, Zeto? Vous qui disiez. Zeto, tu as entendu maintenant. Le supporter. Le gars n'a pas mangé. Je n'ai pas pu avoir un ticket pour être là-bas, donc je ne savais pas s'il est mangé ou pas. Qui m'excuse alors? Il y a Cyril qui vous répond. Les gens avaient faim. Donc, excuse-moi, alors, je ne savais pas que tu n'avais pas mangé. Qu'il chante. Vous-même, vous l'avez dit, il n'y avait pas de bouffe au stade. Et Bama Moussa qui revient encore à la charge, il dit, revoyez la position, pourquoi on ne peut pas manger au terrain? On avait vraiment faim au terrain hier. Et Nabanga Kone qui dit, dommage, nous ne savons pas supporter. Cette équipe a besoin de soutien du public. Là, il rejoint Zezeto. Et puis il y a un autre qui si l'autre n'avait pas fait, je pense qu'il allait me rejoindre, mais bon, s'il n'a pas mangé, c'est difficile. Alors, monsieur, pour terminer, je vais prendre la réaction de chacun d'entre vous sur ce commentaire que je viens de lire, coach. Mais je pense que nous tous, nous avons dit ici, hein, il faut que les gens essayent de revoir le cordon de sécurité d'abord. Il faut permettre aux gens de rentrer quand même au stade avec quand même des sandwichs qui vont leur permettre d'avoir la force pour pouvoir supporter et puis que nos Ivoiriens changent la mentalité et qu'on soit tous maintenant derrière ces éléphants-là pour les pousser à la victoire.
C'est toi, comment vous réagissez à ce message? Je suis content parce que ça nous donne raison. Ça veut dire qu'on a bien vu et qu'on a porté leur voix. Donc on espère que les gens vont entendre ça. Mais je suis très content parce que c'est ce qu'on disait et on avait effectivement raison. On ne s'est pas trompé. Donc il faut qu'il y ait certaines choses qui changent et voilà quoi. Dago Charles? Ben écoutez, je suis content hein, parce que nous sommes en phase avec le public, ils nous suivent bien. Et que le ressenti, il est partagé par tous les Ivoiriens. Voilà, et donc vivement qu'on rectifie le tir, pour que les choses voilà, soient entendues, que les choses ne se répètent pas. Ouais. Maintenant, pour ce qui est des supporters, c'est vrai, on passe le lever un matin, puis changer d'habitude. Mais chaque fois qu'on m'a écrit, qui continue de crier? Qui continue de crier? Moi, voilà. D'accord, vous avez aimé le cube dans le Garba, c'était bien. Oui. Non, moi, c'est difficile pour moi de manger du Garba sans le cube. Et donc, voilà, j'ai beaucoup aimé. Voilà. Coach, c'était pas trop gras? Non, le Garba d'aujourd'hui, là, le piment de Dago, vraiment, c'était vraiment un véritable piment martiniquais, mais je pense que le Garba était super. Non, j'ai adoré le piment. D'accord. Et Dago a vraiment bien mangé parce que je sentais que voilà, ça brûlait le piment. Ouais. Donc, j'ai bien aimé en tout cas. J'ai bien aimé. Merci. Alors, monsieur, aujourd'hui, c'est l'anniversaire de. Du réalisateur de cette émission, Ariel Philippe Chukwam. Donc on va lui souhaiter joyeux anniversaire. Qui va entendre la chanson? Dago Charles. Mais c'est mon beau, non, c'est pas le beau là. C'est le beau, le beau des beaux. Le beau des beaux. Le beau des beaux. Anniversaire, joyeux anniversaire. Le beau des beaux. Joyeux anniversaire, le beau des beaux. Joyeux anniversaire. Merci beaucoup. Joyeux anniversaire à toi, Ariel Philippe Chukwam. Beaucoup de santé, beaucoup d'énergie pour que tu sois encore toujours avec nous pour nous aider à aider les Ivoiriens à mieux comprendre l'actualité du foot ici en Côte d'Ivoire et à travers le monde. Merci à tous ces Ivoiriens, à toutes ces personnes qui nous ont suivis ce matin dans ce numéro du Brunch de la CAN. Restez toujours sur l'Intelligent TV. On reviendra ici sur ce même plateau demain pour un autre numéro du Brunch de la CAN avec encore du piment, peut-être martiniquais ou un piment ivoirien, on ne sait pas. Demain, soyez là pour en savoir davantage. D'ici là, portez-vous bien et à très bientôt. Au revoir.